Donc nous sommes à l'aréna de Montmagny. C'est une activité de Jamboree organisée par JM Thibault de Montmagny, Monsieur Francis Fréchette. C'est un programme canadien qui existe depuis 20 ans. Il s'appelle Hockey sûr et amusant pour encourager les jeunes à pratiquer une activité sportive tout en s'amusant. On fait des activités pour les jeunes le matin, des conférenciers pour les parents en même temps. Le but, c'est vraiment d'apprendre, de pratiquer, de se faire confiance sans être dans un esprit de compétition. À la fin de la matinée, un finaliste va être tiré au sort et il va participer à l'activité qui aura lieu à Montréal ensuite. Les échelons, les endroits qu'il y a pour se faire valoir, pour être scouté, c'est minime. Hein? Sa première année Bantam, ils vont le voir pour le drafter midget 3. Sa seule année midget 3, ils vont le regarder un petit peu pour voir s'ils vont le prendre junior majeur. Puis dans le junior majeur, sa seule année, c'est son année 18 ans. S'il n'est pas sa première ligne, puis s'il ne score pas 40 buts, il ne sera pas drafté. Puis s'il est drafté parmi les 500 joueurs, vous voyez là où? Et ça se peut que le meilleur joueur du Québec les 10 prochaines années soit jamais drafté parce qu'il va être grand, gros, puis il n'y aura pas de bonne main. Puis ce qu'ils vont chercher, ça va être des petits défenseurs avec des mains cette année-là. Ou une autre fois, ils cherchent un gros ailier, mais là, ou le contraire. Ou le temps où il y a deux tournois où ils sont scottés, il est blessé, il y a la grippe, ça ne file pas. Non, vous voyez, il y a tellement d'impondérables qu'il ne faut pas focusser là-dessus. Moi, je vous le dis, il ne faut pas avoir des attentes par rapport à ça. Les attentes que vous devriez avoir, c'est est-ce que vous allez faire un bon citoyen, un bon kid avec ce kid-là, mais qui a 20 ans, il va être fier de lui, mais s'il va t'apprendre avec des pincettes. C'est ça la réalité, là. Moi, quand je me promène dans le junior majeur, il y en a des stars. Oh! D'après moi, la maman a traîné à la poche jusqu'à 16 ans. Faut attention à ça.